pour rappel, hein, les conceptions en fait des reprises de bétonnage en saignement rapporté, en gros, se distinguent en trois grandes familles. Les extensions par recouvrement avec des armatures existantes, tout ce qui peut être connexion structurelle ou nœud structurel dans lequel on va venir donc rapporter une structure transversalement à la structure existante, et puis tout ce qui peut être béton rapporté avec des systèmes donc de renforcement de dalles ou de renforcement de voiles. Pour pouvoir s'intégrer donc dans ce, pour pouvoir justifier, on va dire, pouvoir, on va dire, s'intégrer dans un cadre réglementaire, trois niveaux d'évaluation existent. La première, c'est déjà la qualification, hop, la qualification donc des propriétés intrinsèques des produits au travers donc de ce qu'on appelle les documents d'évaluation européens, les EAD. Ces essais de qualification, en fait, vont donner donc les performances des produits. Suite à la caractérisation de ces performances produits, ceux-ci sont intégrés dans ce que l'on appelle des évaluations techniques européennes, qui vont donner donc l'ensemble des données techniques du produit. On reballera ensemble justement, puisque ce sont ces documents qui sont la source, on va dire, la plus importante d'informations techniques que vous pourriez avoir. Et puis enfin, toute la partie dimensionnement qui est cette fois-ci donc assurée par l'Eurocode 2, puisque c'est le code de calcul qui conditionne le dimensionnement des armatures post-scellées. La réglementation, donc comme on l'a vu, donc on a trois niveaux hein, de qualification, l'évaluation produit, les données techniques et les méthodologies de calcul et de dimensionnement. Et donc dans ce webinaire, on va à la fois rebalayer ensemble la partie statique, mais avec un focus cette fois sur les méthodologies de pose et voir comment ça s'intègre, même si ces sujets-là avaient été très brièvement abordés au mois d'avril. Puis regarder ensemble la démarche de justification des saignements rapportés en tenue, sous tenue au feu ou en conditions sismiques, conditions de charge cyclique. Comme on peut le voir, on a un EAD spécifique pour le dimensionnement sous conditions statiques et de tenue au feu, et un EAD séparé, donc un document hein, de qualification des performances produites par essai, qui est différent pour le sismique. Et la différence ensuite donc, se portera sur la méthodologie de calcul, puisque les armatures en conditions statiques sont définies par le code 2 partie 1.1, sous conditions d'incendie via le code 2 partie 1.2, et sous conditions sismiques par l'Eurocode 8. Voilà un petit exemple hein, des documents d'évaluation pour certaines de nos résines quand vous avez une justification à apporter. Donc on a un document d'évaluation produit, hein, un EAD ou un DEE en français. Ensuite, un ETE, hein, donc une évaluation technique européenne. On peut aussi retrouver l'appellation d'avis technique avec ATE lorsque l'on est sur une évaluation plutôt franco-française, et puis la norme de calcul, donc ici l'Eurocode 2 partie 1 quand on est en statique, et puis l'Eurocode 2 partie 1-2 en tenue au feu, et l'Eurocode 8 sous dimensionnement sismique. Rappel que j'ai déjà présenté au mois d'avril concernant donc ce qu'est réellement un ETE. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETE donc, va posséder toutes les informations produits et donc toutes les indications sur les performances de ce produit compte tenu de son domaine d'emploi. Un ETE ne se substitue pas au marquage CE, qui est un gage, on va dire, de qualité produit. L'ETE vous garantit, lui, des performances du produit. Et donc, parmi ces performances, on va retrouver notamment les caractéristiques intrinsèques du produit, mais aussi les méthodologies de pose, sur lesquelles on va pouvoir faire un focus tout à l'heure, les durées d'utilisation et de séchage, ainsi que les valeurs de résistance dans un matériau support donné ou encore sous certaines conditions de charge. Et ce qu'il faut savoir, hein, c'est que lorsque vous utilisez une résine, par exemple, sous ETE, eh bien, cela vous assure en fait de pouvoir répondre aux données techniques du produit cité dans cette ETE et donc de respecter le domaine d'emploi de celui-ci. Petit rappel encore sur le cadre hein, réglementaire de l'application des justifications de scellement et ce qui est présenté donc par la suite dans ce webinaire.
Donc, on va déjà regarder ensemble tout ce qui va être application par recouvrement d'armature. Donc, aussi bien sur des extensions de dalles que lorsqu'on est sur une reprise d'éléments verticaux comme des poteaux. On va pouvoir également justifier eh bien, tout simplement des nœuds structurels, hein, comme je l'expliquais, avec par exemple des à-bouts de dalles simplement appuyées ou encore des pieds de poteaux en pleine compression. Et puis, on peut aussi retrouver voilà, des ancrages directs d'armature pour reprendre des efforts de traction sur appui. Donc, tous ces sujets-là sont pris en compte et présentés donc, dans ce webinaire. Le seul cas de figure qui ne sera pas traité, ce sera l'encastrement d'éléments rapportés sur des éléments de béton existants non ferraillés.